Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Flash. On commence comme toujours par la météo. Vous le voyez, ce sera un temps couvert au programme de ce jeudi avec des risques d'averses. Les températures maximales, elles, restent douces avec 21 degrés attendus dans l'après-midi. Retour à l'entraînement pour les hommes de Francis Gillot après 3 jours de repos, musculation et footing au programme de ce jeudi matin et jeu de ballon au programme de la séance de ce jeudi après-midi. Des nouvelles du groupe à présent, Grégory Sertic et Nicolas Morin. Maurice Belé sont désormais en phase de reprise et de réathlétisation. En revanche, Faïd Ben Kalfala, lui, est toujours blessé, tout comme Maxime Pounj, qui souffre de la cheville. Prochain match pour Bordeaux, ce sera vendredi 19 octobre à 20h45 avec la réception de Lille. On rappelle que Rio Mavuba, qui s'est fait opérer du ménisque ce lundi, sera absent pour cette rencontre. Enfin, la Girondin Soccer League va entamer sa troisième édition. Le championnat de futsal organisé par le club des Girondins de Bordeaux réunit 16 équipes et il est encore possible de s'inscrire. Vous avez jusqu'au 15 octobre prochain. Pour s'inscrire, c'est très simple. Vous envoyez un mail à l'équipe de la Girondin Soccer League sur le site des Girondins de Bordeaux. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV.